Hey, what's up, ça que tu as bien, que tout se passe bien. Aujourd'hui, programme de musculation et on va bosser les triceps. On va avoir un bon triceps parce que, comme je t'ai dit, si tu veux des gros bras, t'as le biceps, mais t'as aussi le triceps, tu vois, qui occupe une bonne partie dans ton bras. Et nous, c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Donc, prends tes haltères, une bouteille d'eau et on va bosser. Premier exercice, on va partir sur du développé couché en prise serrée, d'accord? Parce que le développé couché en prise serrée, ça travaille les pecs, mais aussi les triceps. Et ça, en prise neutre. Allez, on y va. Hop. Hop. On se met bien. Et on y va. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. 9 et 10. Ok. Le repos. Et j'ai ma petite feuille où je note à chaque fois ma répétition pour éviter que je triche. Oh. Là, tu vois, même comme ça, on voit mon triceps. C'est incroyable. Parce que le triceps, tu vois, en fait, t'as cette partie-là, et t'as cette partie-là, tu vois la grosse partie derrière là, c'est ça qui fait que t'as un gros bras, tu vois. Comme ça, tu feras des photos où t'es en mode réflexion, tu vois. Tu fais des photos où t'es. Attends, je me mets bien au centre, tu auras le temps 34, où t'es en mode réflexion, t'es comme ça. Où tu fais des trucs genre, tu fais des trucs de tricheur, tu vois. Avant, j'aimais bien faire ça. Des photos comme ça, ou des photos où j'ai un poids devant et je suis en mode je suis en mode bulk. Ça sert à ça aussi, les triceps, c'est important. Ça sert à faire de la fame aussi. Bah oui, être musclé, c'est bien, il faut s'en servir, c'est important. 1 minute, on va repartir, mais toi, tu peux prendre jusqu'à 1h30. Ok, allez, on prend ses haltères. Prise serrée. Et on y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ouh, ok. Chrono avant tout et mon petit trait de validation. Très très bien. Oh. Je bois un peu d'eau. Une gorgée ou deux pour pas être ballonné. Oh. Mon chrono, je vais le mettre là. Parce que là, il est à côté. Là, je le vois bien. Oh. Oh là. Je sens que ce programme, il va me faire mal aussi. Il va vraiment me faire mal. Les triceps, c'est bien de le mettre en deuxième si tu fais les pecs, d'accord? Mais si tu fais que bras, tu peux commencer par triceps et finir par biceps. Tout dépend de toi, d'accord? Les 55, on va repartir tranquillement. Hop, voilà, troisième série. 1, 2 et 3, on y va. Prise serrée. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, allez, sept, huit, neuf et dix. Ouh. Ok. Mon chrono est mis, mon petit trait de validation est mis. Il manque une dernière, tranquillement. J'ai encore envie de boire de l'eau, c'est incroyable. Il faut que je fasse au moins 15 programmes pour avoir le droit de m'entraîner en salle de sport, d'accord? C'est ma deadline, c'est ma condition. Tu vois, moi, je suis un fou. Moi, je suis un fou. Je me donne des directives, des règles strictes. Et
Après, je pourrai jouer tranquillement. J'ai le droit de jouer à la Play, d'accord? J'ai le droit de jouer à la Play, à la Switch, à tout ce que je veux. Mais allons en salle, pour l'instant, j'ai pas le droit. Hormis si j'ai un tournage professionnel, bien sûr. Parce que tournage égale sous égale dames content, d'accord? Il faut que je sois content, ok? 1 minute 3, c'est parti pour la dernière. Hop! Allez, on va les avoir ces triceps, on va les avoir. Une, deux, trois, allez, quatre, cinq, six, sept, allez, huit, neuf et dix. Une ou deux minutes de repos et on passe à l'exercice suivant. Exercice numéro 2. Bon, là, je t'explique, c'est passé un truc bizarre. J'avais mon retour sur mon iPad, mais là, je sais pas, ça a bugué parce que je pense que je l'ai trop utilisé. Ça fait une heure que je bosse en faisant des programmes et là, l'iPad, il n'est pas content, il a plus envie. Du coup, mon retour, elle est sur mon téléphone. Donc, je me vends tout petit, d'accord? Mais du coup, le chrono est sur l'iPod. Le chrono est sur l'iPod et le retour sur le téléphone. Ok, exercice 2, on va se faire de la. Enfin, on va faire comme la barre au front, mais avec des haltères. D'accord, en prise neutre. Donc, si tu n'es pas habitué à ce mouvement, mais une charge légère. Ok, je vais te montrer le mouvement tranquillement. Tu te mets hop à ranger, tu prends des haltères et tu ramènes comme ça. Ok, les deux en même temps. Comme je t'ai dit, si c'est trop dur, tu prends une charge plus légère. On va se faire 4 fois 10 répétitions. Ok. Allez, c'est parti. Hop. Hop. Ouf. Ouf. Position de départ. Comme ça. Et 1. 2. 3. 4. 5. Allez. 6. 7, 8, 9 et 10. Ouh. Oh, ça fait mal, franchement, ça fait mal. Démarrer. Eh, ça fait du bien, je vois mon chrono en grand. Ça fait bizarre. Bon, mon petit trait, tranquillement. Voilà. L'exercice, cet exercice-là, on va dire, il est mieux à faire avec une barre. Mais tu peux les faire aussi sur les haltères, c'est possible. Avec les haltères, on va dire, tu as un peu plus de contrôle. Enfin, c'est plus dur, tu vois. Tu as un peu plus de contrôle qu'avec une barre. Non, tu as moins de contrôle avec les haltères qu'avec une barre. Mais si tu t'habitues à les faire aux haltères, à la barre, tu seras un tueur. Parce que les haltères, c'est indépendant, tu vois. C'est pas t'as un bras qui lâche, t'as l'autre bras plus fort qui va aider. Il n'y a rien qui aide. Si t'arrives pas, t'arrives pas, d'accord? Mais je t'assure que si tu fais ça bien, à la barre, tu seras un monstre. C'est comme le développé couché aux haltères. Si t'as un monstre aux haltères, à la barre, mais tu seras phénoménal, ok? Une minute, on va repartir. Ouh, on arrête le chrono, sinon il va clignoter devant moi, ça va me déranger. Et on y va. Ouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, allez, 9 et 10. Ok. Ouf. Oh. Effacer. Hop. Je mets un petit truc. Ah, oh ouais, là. Là, cet exercice-là, il fait mal. Il fait mal. Ça aussi, c'est un exercice qu'on va te dire, les débutants, faites pas ça. Si t'as la maison et t'as des haltères, t'as rien d'autre, fais cet exercice-là. Apprends.
Et même si tu mets pas les poids, tu prends juste les barres, fais-le à vide pour l'instant, comprends le mouvement, comprends-le, et après tu mettras des poids. Tu verras, c'est un bon exercice pour développer tes triceps. Là, je resserre bien les poids parce que mes poings ont tendance à descendre, tu vois. Et s'ils glissent sur ma tête, ça va pas le faire du tout. Oh. On va repartir. 57. Allez, c'est parti pour la troisième. Oh. Allez. Ouf. Position de départ en haut. Et une. Deux. Oh. Trois. Allez. 4, ok. 5, 6, 7, allez. 8, ok. 9 et 10. Je mets mon chrono tranquillement et mon petit trait. Troisième, il en manque une. Et après, on est débarrassé de ça. Oh, je prends une bouteille d'eau. Bon, j'espère que les salles resteront ouvertes quand même. Parce que je suis très loin d'avoir fait les 15 programmes d'entraînement. Je sais pas pourquoi dans ma tête, je me fixe des deadlines, tu vois, des 15 programmes à la maison. Mais après, si je peux pas en faire 15, j'en fais pas 15, tu vois, mais ça serait bien d'en faire 15, au moins 15. C'est dur que j'ai tout fait et que, genre, on va dire le programme numéro 10, c'est le programme numéro 1 avec deux exercices différents, ça sert à rien, ça sert vraiment à rien. Mais je vais voir, je sais qu'en musculation, il y a plein de choses à faire, il y a aussi du poids de corps à faire, donc voilà, on va voir ça. Ouh, ok. Dernière. Allez, position de départ en haut. Une, deux, trois, très bien. Allez, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ok. On prend une à 2 minutes de repos et on passe au dernier exercice. Dernier exercice, on va prendre une haltère et bam, bam, on va faire cet exo là. Je te montre. Ouf. Je me mets derrière pour te montrer le mouvement. Hop, on se met comme ça et 1, 2. Ok, on va faire ça. Non, je me remets bien. Ouh. Et pour ça, t'as besoin que d'un seul haltère. D'accord? On va se faire 4 fois 10 reps. C'est parti. Attends, je prends bien mon haltère. Ouh. Ouh. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 et 10. Ok. J'allais mettre le chrono avec le téléphone, mais j'ai oublié que ça s'est échangé. Par contre, j'espère que tu m'entends bien quand même avec le micro-cravate. Je vais voir si je peux le déplacer. Désolé pour le bruit. Au pire, je couperai. Voilà. Parce que là, en fait, mon micro, il frotte ma barbe, tu vois. Je suis en train de bruits d'éponge et c'est pas bon. Oh. Repos. Bon, là, on va prendre un repos assez rapide. Parce que ça va, c'est de la finition. Donc, 31 secondes, on est bien. On repart tranquillement. J'espère que le micro, il est bien placé. Ouais, là, c'est mieux. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 et 10.
Généralement, hop, les exercices de finition, tu kiffes les faire parce que ils te font pas trop mal, tu vois. C'est l'exercice que tu fais pour valider la séance. Voilà, c'est la fin. Parfois, il se peut que tu ressentes pas trop, mais il faut quand même les faire, d'accord? Il faut quand même les faire. Tu les fais, tu verras les résultats. Ils vont venir. Tu sais, moi, les triceps, la plupart des exercices que je faisais, je sentais rien mes triceps. Après, il y a une grande part des mes exercices que je faisais mal le mouvement, mais mes triceps évoluaient quand même, tu vois. C'est avec le temps, l'expérience et la connaissance de ton propre corps que tu vas savoir comment bien sentir tes muscles, ou du moins le muscle que tu travailles, d'accord. Mais il y a quelques techniques aussi pour bien les sentir. Ah ouais, il est déjà 40, on y va, on repart. Je suis désolé, mais j'aime bien te donner des petits conseils. C'est important. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Effacer chrono. Troisième. Il en manque une et on a validé la séance tranquillement. Après, on pourra se rincer. Et la séance sera validée pour moi, en tout cas aujourd'hui. Pour toi, peut-être que tu vas faire un autre truc, peut-être que tu vas faire une autre séance. Mais là, moi, c'est bon, j'ai donné. Aujourd'hui, c'est mon troisième programme que je fais. Parce que je suis en forme. Oh, 27. Ok, on va repartir. Ouh. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ouais, je me suis fait plaisir sur la fin. On a fait les choses bien. Si toi aussi tu veux te faire plaisir, tu peux. C'est la fin. Moi, c'est parce que je sais qu'après, je vais me reposer tranquillement. Et je serai bien. Oh. Prends 1, 2, 3 minutes de repos. Et soit toi, tu passes sur un autre de mes programmes. Ou alors, ben, la séance est finie pour toi et tu peux te reposer, jouer à la play, te laver avant, c'est important. Et après, fais tes occupations tranquillement. Donc voilà pour ce programme triceps. Comme je t'ai dit, c'est soit tu passes à un autre programme tranquillement, ou bien alors tu peux te reposer. Parce que la séance est validée pour toi. Si tu as aimé ce contenu, si tu aimes les programmes, mets un j'aime, mets un commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.